Aujourd'hui, nous allons voir comment installer l'application de messagerie Signal et créer un compte gratuitement. Pour commencer, on va télécharger l'application. Sur un iPhone, c'est à partir de l'App Store. Sur Android, à partir du Play Store. Dans la barre de recherche, on va taper Signal. On la sélectionne et on l'installe. Après son installation, on va l'ouvrir. À son ouverture, on accepte les conditions d'utilisation en appuyant sur Poursuivre. Ensuite, on nous demande l'accès à notre liste de contacts. Pour cet exemple, on ne va pas le faire maintenant, on verra dans une prochaine vidéo comment ajouter nos amis sur la plateforme. À la suite, on va créer notre compte à partir de notre numéro de téléphone. Comme WhatsApp et Telegram, c'est une obligation, on ne peut pas utiliser d'adresse email. Après l'avoir indiqué, un code de sécurité va nous être envoyé par SMS sur ce numéro. Si au bout du temps imparti, on ne l'a pas reçu, pas d'inquiétude. Il est possible de se faire contacter par le service vocal. Une fois entré, on précise notre nom et en appuyant sur suivant, on va alors nous demander d'entrer un autre code appelé NIP, nous permettant de protéger les informations confidentielles de notre compte en y étant crypté, ce qui permet de le protéger notamment lors de sa restauration sur un appareil, puisque ce code sera demandé. On le confirme une nouvelle fois et pour finir, on arrive sur l'écran principal de la messagerie Signal, nous permettant ainsi d'ajouter quelqu'un et de le contacter à travers l'application. S'il vous plaît, un petit pouce bleu pour la vidéo, merci infiniment.